Ouais. Et ce moyen d'aller sur le plateau? C'est là-dedans. Et qu'est-ce que t'attends pour entrer? Désolé, mais... j'ai encore un peu besoin de vous. Non, pas ça! Attends! Faut l'attraper! Mais... c'est très important! Il a pris la clé de la porte! Allons-y. Il vient de tourner au coin! Ça marchera pas. Prends ça, Teddy! C'est ce petit voleur. À partir d'ici, on entre sur leur territoire. Ces créatures peuvent nous sauter dessus à tout moment. Je compte sur toi. Je m'en occupe. Reste pas où je suis là. Ça me va. On avance comme sur des roulettes. Va pas trop vite quand même. J'ai vu pire que ça. Ça va faire mal.
précipite pas. Je m'en occupe. Heureusement que je suis là, hein. Tu vas pas t'en tirer. Ne regrette pas. Tu te débrouilles vraiment bien. Ça va être trop. Il ira pas plus loin. Il nous aura bien fait courir, en tout cas. C'est promis, on te fera pas de mal. Alors reste où tu es. On fait plutôt une bonne équipe. Ouais, c'était pas mal. On l'encercle. D'accord. Pas question de le laisser filer. C'est quoi? S'il te plaît. C'est ça, ta clé? Désolé. Et j'imagine que c'est pas le tien, n'est-ce pas? C'est un souvenir de ta mère? J'ai pas de famille.
On a poursuivi un beau rêve, un rêve précieux. En langage des fleurs. Tu devrais m'oublier. Ça vaut mieux. Il y a 6 mois, après que Cornéo l'a choisie comme concubine, je ne l'ai plus jamais revue. Avant de partir, elle m'a rendu ça. Sympa, non ? Il m'avait coûté une petite fortune. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Me venger. Je sais bien que ça la fera pas revenir. Mais si je saisis pas l'occasion, je sens que je le regretterai toute ma vie. Fais comme tu veux. Du moment qu'on peut aller sur le plateau, on te suit. T'inquiète pas. Je vous en fais la promesse. T'as marqué des points. Passons par ici. C'est un raccourci. Ce salaud de Cornéo, il perd rien pour attendre. Laisse-moi lui régler son compte. Hein ? S'il vous plaît. Entendu. Attendez-moi ici. C'est vraiment une bonne idée de laisser y aller seul. C'est moi, Leslie! Je suis venu vous livrer un message important! Ah oui?
Tu es seul? Oui. Henri? Et où sont mes petits chatons d'avalanche? Si je ne m'abuse, c'était pourtant ta mission de me les ramener! Je suis désolé. C'est ce dont je voulais vous parler. Leslie! Tu n'es pas sans savoir pourquoi je me cache dans ces égouts. Les petits chatons d'avalanche m'ont coincé. Et j'ai un petit peu trop parlé. La Shinra n'a pas vu ça d'un très bon œil. En détruisant complètement le plateau, elle espérait beaucoup plus de victimes que ça encore. Mais il a fallu que les petits chatons viennent s'en mêler. Ils ont fait fuir ces rats du bidonville. Il faut que je te dise un petit secret. La Shinra veut abandonner Midgar et créer un nouveau paradis dans un tout autre endroit. J'y ai fait ma place. J'étais destiné à devenir le patron du nouveau Wall Market. Mais maintenant, je suis recherché. Leslie... Et dire que j'avais envisagé de te confier la direction de ton propre établissement. Oh, tu me déçois beaucoup. Et maintenant, un petit quiz. Quand les grandes crapules dans mon genre se mettent soudain à raconter toute la vérité comme ça, c'est dans quel type de situation, hein? Quand ils sont persuadés d'avoir gagné. C'est ça. Tu en es persuadé? Oh mais... Que faites-vous là? Parle-moi du secteur 7. Qu'est-ce que t'as eu à voir dans tout ça? Là! Oh! Regarde! Là! Non mais tu te fous de ma gueule là! Oh hi! Tant pis! Parce que je me fous pas du tout de votre gueule en vérité. D'abord faire taire celui-là. Ah!
ça marchera pas. Approche pour voir. C'est quand tu veux. Ça va? Où est Corneo? Désolé, il nous a échappé. Tant pis. Je le retrouverai bien. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Rien de mieux que ça? Que de chercher Corneo? Hein? Cherche plutôt ta fiancée. On se rend compte souvent trop tard qu'on aurait dû oublier sa fierté. Mais pour toi, il est encore temps. Langage des fleurs. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Retrouvailles. Hein? C'est ce que cette fleur signifie. Je crois que vous avez raison. Je vais la chercher. Oui. Je vous remercie. Deux secondes. T'as pas oublié ta promesse, j'espère. Non, je sais. Ah, voilà. Sortons d'ici. Que je vous montre comment aller là-haut. On peut enfin respirer à plein nez. Par ici. Pistolet grappin. Suffit de tirer pour accrocher le grappin, et puis de rembobiner le câble. Derrière le mur, là-bas, c'est le secteur 7. Avec ces grappins, il n'y a pas un mur ni une pile de débris qui vous résistera. Mais ils sont pas faits pour la descente. Mieux vaut vous dire que vous pourrez pas revenir une fois monté. Avant d'y aller, assurez-vous d'avoir rien oublié en bas. Merci beaucoup. En vérité, nous aussi on cherche quelqu'un. Je vois. Je vous souhaite bonne chance. À toi aussi.
Vous êtes prêts? Quand on aura passé ce mur, on pourra pas revenir en arrière facilement. Je sais pas pour vous, mais y a quand même une partie de moi qui aimerait aider un peu plus les gens d'ici, avant d'aller casser du soldat Shinra. Vous voulez vraiment y aller? Pas rien. Ça te fait envie? Oh oui! Il y en a au moins un qui est content. Aerys, elle a besoin de nous. Alors volons à sa rescousse! On y va. C'est bon! On va les buter, ces sales fumiers qui pourrissent notre planète! Je rentrerai dès qu'on aura sauvé Aerys! C'est promis! On y va. Avec tous ces débris partout, tout pourrait s'effondrer à tout moment! Soyez prudent. C'est encore plus dangereux par là. Nous devons sauver notre ami. C'est pas une bonne idée. On est capable de gérer. Mais... faites attention à vous.